C'était un travail très dur, il fallait étudier, il fallait apprendre, il fallait sortir en campagne, il fallait se débrouiller des armes, il fallait des tirs, il fallait. Madame, c'était quelque chose de très dur, hein, très dur, mais quand même, ça a servi parce que on ne fait pas une révolution ou voilà, une guerre, un changement. Ben Mustapha Ben Aouda Diamar tire sa révérence à l'âge de 93 ans. Né en 1925 à Annaba, Ben Aouda était un militant actif de la révolution, notamment au sein du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, et de l'organisation spéciale LOS. Il était un des derniers survivants du groupe des 22, militant indépendantiste algérien, ayant décidé en 1954 le lancement de la lutte armée. Réunis à Alger en juin 1954, un groupe de 22 militants indépendantistes, anciens membres de l'organisation spéciale, démantelée en 1950 par les autorités coloniales françaises, avait décidé du passage à l'action armée qui sera déclenchée le 1er novembre 1954 pour arracher l'indépendance de l'Algérie un certain 5 juillet 1962. Ils avaient aussi choisi en leur sein pour diriger la lutte armée un groupe de 5 personnes rapidement porté à 6 qui allaient devenir les 6 chefs historiques du Front de Libération Nationale. Krim Belkacem, Larbi Ben Mehdi, Mostafa Ben Boulaïd, Rabah Bitate, Mohamed Boudiaf et Mourad Didouche. Durant la Révolution, Ben Aouda était entré en 1957 au Conseil national de la Révolution algérienne et avait notamment été membre à partir de 1958 du commandement opérationnel de l'Armée nationale de libération dans l'est du pays. Ben Aouda avait participé à la phase finale des négociations d'Évian qui allaient déboucher sur l'indépendance de l'Algérie en 1962. Il a ensuite occupé des postes d'attaché militaire au Caire, à Paris et à Tunis et avait été ambassadeur d'Algérie en Libye en 1979. Avec la disparition d'Amar Ben Aouda, il ne reste en vie que 2 membres du groupe des 22. Abdelkader Lamoudi, né en 1925, et Othmane Belouizdad, né en 1929.